Nèg fantom 509 yo resi pour la rue, mesdames, messieurs, et jodi en là, yo saccage ministère planification. Son bagay rololoy devant sac saute passé en bas là, plusieurs employés déjà mettent en tête après les envoyer pour dire est-ce que si mon Dieu pas de porter au secours ou passer dans tête, chaque grain citoyen ça octave en bas, comment bagay la t'a pral mélanger pour yo. Dans le moment même n'a pas là, c'est gros cri, gros rel kaima korel, gros remerciement qu'a fait devant porte papa bon Dieu pour chaque jeune employé malheureusement pour Fantôme 509 qui est débarqué pour le faire mal en bas, mais heureusement bon Dieu permette tout nèg sa yo yo sorti sain et sauf. Jodi an gros problème nan bas ça. Mesdames, messieurs, ministère planification, son ministère qui formé en 1989. Et ça que le comme mission, c'est chargé d'analyser les données, de concevoir et de mettre en place les différents plans nationaux de développement économique. Et dans le moment même, n'a pas là, citoyen qui a géré le ministère de la Coupe Port-au-Prince, M. Palotte Ricapierre, son ancien membre opposition, c'est un citoyen qui est déjà porté tête comme volontaire. Là, M. Ariel Henry déjà choisi monsieur ça, et monsieur ça était peut-être vraiment comme volontaire de débarquer, mesdames, messieurs, dans le gouvernement Ariel Henry, et ceci dans le moment ça même n'a pas lié là. Monsieur c'est une année cap dirigé cap fait de fait dans pouvoir ça bagay là li vraiment bien normal pour yo. Qui ça passé, qui ça bagay là hier, bral bon détail tout de suite, bral permettre tout comprendre qui Jean bagay yo hier. Pas oublier non, prendre quelques secondes d'en profiter, abonner à la chaîne ça. Si vous faites ça déjà, quittez un like, faites un senti comment vous arrivez sur nos commentaires. Vous regardez comment vous allez passer dans le ministère de la planification. Jean, monsieur saccagé en bas, ça qui gagne avec bureau, avec télévision, flat screen, et toute l'autre bagaille. Et vous arrivez désarmé, un policier en bas, ça, disons sécurité. Et vous pouvez aller, une 12 qui était utile ou bien qui c'est propriété privé ministère et planification hein, côté Ricapierre a dirigé hein. Donc on paquet de détails pour le venir côté ministère qui s'est passé, qui est mon vrai Fantôme 509 a venir à cause de qui ça, comment nèg yo habillé, qui j'ai bagalaté, m'bral bon tout détail et m'bral expliquer tout qui réaction ministérielle tout de suite après bagay ça, et généralement qui Jean Ariel Henry lui-même personnellement concevoir ça que saute rivé. Mesdames, messieurs, pas oublier de vous dire nous la Coupe Port-au-Prince c'est la coupe qui fragile, qui mélange. Tout le monde soit fait la donne, c'est fait la tête pour avancer. Entendez, ma vie. Oui, policier à policier, on a battu. Non, c'est policier à policier ici. Mais tu es plusieurs cas de l'espace là. On y a porté on vingtaine. Oh, la mer. Bon, jusqu'à présent, moi-même, je suis en Davirom, par contre, si on met peut-être au Pétionville, si on descend en bas sous la ligne. Mais, information. Nous pas toujours gardé, si nous avons des responsables dans la foule. Bon, moi-même, c'est juste un employé mieux. Ça frustre, moi, je choisis de faire mes tout votre ministère là, juste pour bien contrôler la foule. Ça passe dans quelle heure? Ça passe dans quelle heure? Ça, il a dit là. Il y a peu près une hectare et puis 2 hectares depuis ça est passé. Oui. Le ministère pas là, les règles de l'hiver. Le ministère pas là. Vous dites c'est un groupe de 20. Un groupe de vingtaine. C'est pas la première fois que ça rentre là. Et les nègres ça rentre là, nègres rentre sauvagement parce que ça va une saga de celle là de un mois ils ont battu employé là. Mais est-ce que ça va améliorer? Ce sont des policiers. Ce sont des policiers. Donc peut-être que quelqu'un doit sortir par confrontable ou impuissant. Il ne va réagir. Il ne va pas réagir. Et nous-mêmes, dans le ministère, nous-mêmes, comme employés, vous imaginez, si les gens rentrent, ils désarment leur sécurité. Et vous-même qui parlez des armes, souvent comme les employés. Vous rentrez là, vous tirez tout, mon ami. Mais vous parlez de ce que ça a été fait dans le ministère là, est-ce que c'est pas dans le ministère là, et puis est-ce que ça a été fait dans le ministère? Bon, plusieurs fois, nous sommes venus là, le ministère est toujours là. Peut-être qu'on a essayé des bagages qui tirent, des promesses qui faites, Après, il y a des ministres. Oui, puis c'est pourquoi nous venons avec les ministres. Mais il y a la sécurité qui veut dire. Est-ce que c'est d'abord même son tentative de pression qui a porté par le ministre? Tout simplement, moi-même, ça me dit, je pense que le ministre qui est placé par simple pour le dire, qui ça vient, c'est moi-même, je me c'est vivement des bagages là, même déjà avec un emploi ici. Ouais. Et c'est si chaque nègre vient, c'est toujours. Il est très sage, depuis le temps là. Mais je dis, il y a plus de ministres, il y a plus de manquements. Témoignage, il y a plusieurs dans le monde, mesdames et messieurs, qui prennent le soin, qui expliquent, mais qui jamais à commencer. Selon quelqu'un employé sous-côté. Sous-côté, mesdames et messieurs, l'ITK, dans 8h du matin, il a constaté qu'il y a un jeune homme qui vient faire une demande pour lui entrer dans l'espace là et pour le taouer à directeur boîte là. Mesdames, messieurs, citoyens, ça a fini. Ils demandent, monsieur, est-ce qu'il y a un rendez-vous avec le directeur ou bien DGA? Monsieur, fait qu'on est, s'il n'y a pas de rendez-vous, pas gagné que tu as fait le vin en bas. Et pas oublier, mesdames, messieurs, son boîte qui est vraiment politisée. Et en quelque sorte, des fois, pas qu'à bailler les gens trop malhonnête, trop mauvaise réponse. Parce que, en général, c'est des nègres politiques en bas. Et l'aime d'où c'est des nègres politiques là, c'est de très souvent aussi simple commode pour que vous comportez ou pour chef parle fort malhonnête puis devant. Madame, monsieur, là, monsieur décidé en 30 ans, il dit, faut qu'il compte qui ça va galayer. Et sécurité ça, galette essayer empêcher monsieur. 9h, 10h, il parle monsieur, puisqu'elle te dit l'aller, elle te dit sécurité à map joindre à Kéo. Et tout de suite après, pendant une journée, ils viennent constater qu'il se passe là, il y a de nouvelles têtes. Et dans quelques bonnes minutes après, c'est là ça, il y a une vingtaine de garçons qui débarquent. Dès que ça a débarqué en civil, mesdames, messieurs, ils ont saccagé depuis c'est ça, ils ont joué là-dedans. Et la première des choses qu'ils ont fait, grain de sécurité qui était par devant, qui était un gros 12 dans le avec 4 graines cartouches gagnées qui étaient dans ce petit monsieur. Au fait, yo prennent le même monsieur, yo désarmé monsieur. Mais ça qui est triste, c'est parce que tout de suite après qu'on finit désarmé citoyen, il y a d'autres mouvements qui ont fait. Mais ils ont monté, ils ont commencé à passer dans le premier bureau, disons premier bureau. Dans le premier bureau que vous passez, c'est un bureau côté. C'est là qu'il y a un secrétaire, c'est là qu'il y a un monde qui peut recevoir un monde. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont crasé ça pack en pack. Deuxièmement, à côté, selon l'information que nous gagnons, il y a d'autres bureaux, ils ont crasé jusqu'à ce que nous débarquions pour aller dans les ressources humaines. Pas oublier, mesdames et messieurs, en dehors, selon l'information qui est disposée pour nous, c'est un espace côté que. Bagaille pas disposé même déjà avec de plusieurs bureaux de l'État et il y a des bureaux qui fêtent, il y en a face l'autre très courte, c'est justement Tiasbod qui en général découpe. Il y a des bagages comme si, mesdames, messieurs, nous avons retenu de sacrifier en tout. Pas oublier que Fantôme 509, dans quel contexte il est créé? Il était créé dans un contexte pour résoudre des problèmes politiques. Et selon l'information que nous avons qui disposait, il y a de grandes personnalités politiques qui entrent là-dedans. Et mais très malheureux, il y a des gens qui étaient en prison ou bien il y a des gens qui étaient fait aux promesses déjà, promesses là justement pas respectées. Et récemment, là, il y a des gens qui étaient éveillés la présence de Fantôme 509. C'était, mesdames, messieurs, le monsieur ou le chef de gang de Torsel. Il s'agit de Vitellon, mesdames, messieurs, qui, au fait, c'est un homme qui était premier lancé question, encore une fois, et Fantôme. Nous connaissons qui était campé, qui était ci, qui était ça, qui t'a fonctionné, j'en ai capable, j'en ai voulu. Mais, mesdames, messieurs, Fantôme 509, t'es décidé en quelque sorte pour voir si ça t'a qu'à faire. Vitellon te dit, il va mettre pied à la terre, il a fait le grave mouvement. Et au fait, gagné un jour examen là, les gens saccagent en bas, clair. Et deuxièmement, les gens tout mettaient de gros pression sur l'État, sur le gouvernement en place là. Et il faut savoir que Ariel Henry, c'est une personnalité remplie de problèmes en ce moment, puisqu'il y a une question de blanc. Blanc qui dans le moment ça c'est un homme qui est important pour me pile. Blanc c'est un homme qui me suivre en pile. Et blanc, je me dis non, c'est un homme qui a une importance de capital, une importance de haut niveau dans ce monsieur. Donc monsieur Vivi a accepté ou a dû faire quelque chose de très bizarre en ce sens. Et la première des choses que l'on fait, il te promet qu'elle permettre que Fantôme 509 retourne dans la rue, hein, ou bien vienne commencer à résoudre le problème. Je vous dis, hein, Fantôme 509, pas aller dans le bureau d'un ancien nègre, ou bien un nègre qui ne connaît pas. Il aller dans le bureau d'un nègre qui fait partie du secteur démocratique et populaire également, qui c'est Ricapierre. Et ceci, il y a une capacité pour faire mal. Ou mes crimes. Donc, ils font démonstration et ils font imposition politique. Ils font un message politique à l'air. En quelque sorte, pour nous, ils prennent responsabilité. Et Ricapierre, c'est un nègre, selon Vitellon, qui connaît Chita, qui connaît Chita pour dire, oh, fait, maintenant qui ça que on traite, maintenant qui ça a réglé, qui ça a fait dans la société, mesdames, messieurs, qui vient dans la cause, une série de actes ou bien une série de positions, il n'y a rien par rapport à quelques bagages, c'est à cause de gens situation antérieure auparavant, les paroles qui t'ont dit, les planifications que tu es supposé faire, les grandes analyses qui t'es supposé déjà en place, ou, on a dit, de manger qui t'es déjà doué dans l'assiette, monsieur. Donc, Vitellon, c'est l'un des fantômes, mais vous le savez, tout de suite après ces déclarations, ou du moins ces impositions, aujourd'hui, on a assisté au retour des fantômes 509 et ils ont été très nombreux, puissants. Ce n'est pas normal, monsieur. Parce que, moi, je me dis un petit bagage, je vais prendre un exemple qui est simple. Je me songe, et malheureusement, faute de temps, je ne pas chercher extrait ça. Et après-midi, souris te bon car commissaire Lafontaine, barra dit un petit volume pour le temps d'elle, tout le temps d'elle. Mais depuis hier, elle a fait marronnage. Au coup, même si le relais, je ne peux pas rappeler encore parce que ici, nous n'avons pas de temps pour n'a pas acheter Figui Chef. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler, ça ne va pas. C'est enquête nous d'abord et ensuite nous venons avec Bagayo, on dit mais bagayo, mais ça qui passe. Et puis, prend responsabilité, dit pays à ça qui passe. Bah, radio en volume, parce que ma fonti parler sous monsieur encore après-midi. Oui, commissaire Lafontaine. Parce que, moi, il y a des gens qui proche monsieur, qui proche moi tout, qui toujours croient que Lafontaine, monsieur, son nèg sérieux. Je me songeais, il y a un bagage qui était passé au caille. Il était arrêté, il y a un agent de sécurité, monsieur, avec ZAM. Qui t'a semblé ZAM qui pata légal, etc. Bah, monsieur, te défend tête, il dit non, bah, monsieur, défend tête. Jusqu'à présent, bah, on sa dossier a devenu. Ok. Quel que soit dossier, non, monsieur cité, il est rapidement intervenu pour le défendre tête. Pour montrer que comme intellectuel de Bello, n'est qu'à l'école, il y a des détails que doit rentrer là-dedans, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de rien, etc. Ok. Donc c'est normal, c'est la règle, parce que comme commissaire du gouvernement, comme ministre de la justice, comme n'importe citoyen, ou pas jamais souhaiter que non cité dans la corruption, dans le désordre, dans le bagage qui n'est pas clair. Quel que soit le monde, automatique, parce que qui ça? Ou qu'à prendre des années pour construire tout, et puis en une fraction de seconde, on simple détail déstabilise pour un siècle. Est-ce qu'on comprend? Bon exemple qui simple. Hier, on t'a parlé de question problème qui gagne dans le sport, par exemple. L'autre, on est tant que Yves Dadou Jean-Bart, ancien président Fédération Haïtienne de Football. Moi-même, depuis que je viens Port-au-Prince, on t'a dit à parler de Yves Dadou Jean-Bart. Soit dans la galaxie comme journaliste, comme directeur de médias. Daddy, c'est malin. Tendez oui, on exemple ma banon. Depuis la vine Port-au-Prince, on a parlé de Yves Dadou Jean-Bart. Soit dans Galaxy, comme journaliste d'ailleurs, incroyable mais vrai, Yves Dadou Jean-Bart c'est une parmi rares très bons chroniqueurs sportifs que nous avons dans le pays. Vous ne connaissez pas ça? Oui, c'est vrai. Mais depuis la vine Port-au-Prince, on a démissionné dans la tête Fédération Haïtienne de Football. Ok. Ça dit, monsieur passe environ 20 ans à diriger la fédération, en pile temps. Ça donne pile bagaille. Regardez ça qui passe pour eux. Après plus de 20 ans d'expérience, dans le laps de temps, ils ont déstabilisé, détruit Dadou. Moi, tu me comprends, non? Quand on doit chercher, mener enquête, est-ce que ça a dit, monsieur, reprocher, c'est vrai, etc. Enquête tout pour mener. Mais jusqu'à présent, pas jamais vraiment de évidence. Ça dit, monsieur, détruit net. Bon, même si monsieur t'a allé au niveau de la justice, que t'a gagné raison, il détruit net, parce que la presse l'a gagné en finacli, et organisation des droits humains, tout, etc. Comme si tout le monde qui gagne en dossier a fait la une. Ça veut dire, monsieur, même si il t'a fait n'importe quoi que le retourner encore, il détruit net dans le monde sportif là. Malgré tout ça le fait. Parce que pas de monde qui parfait. Monsieur a un côté négatif li, mais admettre tout le côté positif li. Regardez ça qui passe kounya. Dadou fin tombe dans déblosage ça. Sanction prend compte li. C'est goumé n'a goumé la bonne faire sport. Kounya rien doit dire non, est-ce que ça veut dire Dadou t'es bon? OK, m'pas un problème, il pas de bon mais ça devine après lui qui ça refait. Quand il y a des gens qui disent non, c'est mes équipes d'Adou qui dirigent. Eh bien, ok, ça prouve que pas de gens. Parce que les gens qui mettent le dehors, pourquoi ça ne va pas venir diriger pour mettre le football là au haut niveau? Nous avons les gens. Nous avons dit bagaille. Pays a des problèmes, les gens font d'accord ça. Quand il y a des gens qui doivent faire débat pour dire oui, après 20 ans, Dadou il pas quitter comme s'il pas formé assez de gens, il pas quitter relève tout pour te assurer, etc. Mais attention, il y a des gens qui mettent le dehors. Donc, si nous mettons le dehors, il faut nous avoir plan B. Plan B, ce n'est pas venir craser ce point net. C'est vous-même qui avez pour nous défaire. Bon, mais quand il y a nous craser le plat. Regardez ce qui passe là. Si vous voyez ce qui passe là, quel est U20, quelle est grosse sélection? c'est bousqué, n'a bousqué expatrié. Même si vous êtes dans 5e division de reléo. Alors que nous avons pile talent en Haïti. Mais nous ne sommes pas reléo parce que nous ne sommes pas réunis avec eux, nous ne sommes pas côté, nous ne sommes pas rien de eux. Et ça te fait un paquet là, pas un visa. Parce que pour yo bon visa, il faut au moins qu'on côté réunis. Bon, yo pas, nous ne sommes pas réunis qu'un côté. Ou pas ça te passe U20, mesdames là. C'est pas parce que tu as perdu, non? Yo prend 6-0 devant les États-Unis. Quand même, c'est sauver ou sauver l'honneur. Oui, vous avez pris n'importe 15-0 dans les États-Unis. Parce que les États-Unis ont une équipe qui a bien mangé, bien dormi, bien respiré. Et pour aller mettre un paquet, petit monde, cocobé, qui ont mangé par froid. Raison simple. Sans que là, vous avez entraîné là-dedans. Vous livré le bail bandinette alors que vous toujours un bandit. Mais ça a fonctionné parce que généralement, bandi yo pas me faire attaque sur ti moun k'ap jouer football yo, mais c'est vrai pas coup de balle k'ap tiré, moun k'ap rentrer sorti dans centre là, il vinn paraître dangereux. Cependant, qui est-ce qui gagne pouvoir? Ou quoi même nèg moun qui gagne contrôle base yo gagne pouvoir dans mais là dans pays. Ou quoi on sait pas appel téléphonique, t'a capable quitter centre là fonctionner. Qui ça nous vinn bail comme garder pour. On garder oui, parce que là gagne moun yo mal. Pral prend ça m'bral dit là pour bali connotation pas bon ça fait nous qui me lève avec nous connaît déjà. Mais regardez ça qui passe qu'on y a. Nous quittons fenêtre tout l'ouvri pour dire Dadou t'es pi bon, pour dire au pito Dadou t'es là et c'est là nous craser pays oui. C'est même bagage ça qui passe même au niveau pouvoir politique là oui. Qu'on y a chaque nèg qui passe même s'il pas de rien du tout oui. Mais l'envie nous est ça devient en fait pi mal et puis dit pito t'es là bon regardez pour en pile nèg qui pas vle wè Jovenel par exemple. Kounya Ariel vini ça passé. Gen nèg k'ap di pito jo monter là. Daddy c'est malin. Bluffer pas l'idée. C'est pas yo c'est nous. Balance. Ou va comprendre. Gardez vous dia, Jomo Ali, monsieur Mouri. Ariel vini. Ça nous dit tête nous gonia. Gen moun k'ap di pito compère jo boté là. Ça veut dire que nous avons un problème grave dans le pays. Grave. Et m'oblige de temps en temps faire une petite parenthèse sur question sport parce que moi-même, j'aime le foot. Je ne vais pas dire le sport en général, mais j'aime le football. Gon équipe moun qui vient là après Dadou, qui résultat? Qu'on y a fon garder oui gen problème mais OK gen problème. Mais au moins c'est vrai gen problème et faut nous font gens pour nous montrer que Dadou pas trop important parce que ça. Bon malgré nèg la tomber dans toute bagaille, grand pile monde qui même dans fédération n'a tacler nèg la pour finir papier. OK. Dadou pas bon mais nèg monde qui vient après Dadou yo faut nous permettre que t'étais qu'à parler bien pour nous. Tant que moi-même, m'dé prend critique oui là pas longtemps. Parce que c'est une nèg qui t'a encouragé l'arrivée de Jean-Jacques Pierre au sein de la sélection haïtienne de foot. Parce que je souhaitais son haïtien qui a mené sélection. Et là, moi, monsieur vini, résultat, tête chargée, monsieur Abay. Et puis il me dit, ah, bah, yon ti crasse pas bon. Mais ça qui passe, gon l'autre réalité. C'est même ça me se dit. Comment on est capable de mener une sélection en Haïti? Alors que le pas même gen moyen pour le déplacer avec facilité pour la superviser tout club dans le pays qui a fonctionné pour découvrir jeune talent qui la donne. Nous avons pour exemple sur Coventina hier. Les Coventina viennent dans centre là. Yo te même yo pas même vle prendre tellement te petit. Ti baguette pied Coven. Yo pas vle prendre Coven. Kounya me Coven dans quel que soit top de 5, de 10. Même si c'est deux moun yo apprend comme pi bon joueuse dans catégorie par là dans monde là qu'on vient là dedans. L'Eneril y a vinn dans centre là. On t'a parlé aux amis dim. L'Eneril y a vinn pas même vinn pour football, c'est pour l'idée penser le café judo. Et puis yo wel ka teke ti ballon et puis yo commence bail. Et puis Meneril y a jodia. Ne rigole. T'as dit qu'on y a l'autre centre là nous prend désolé, nous déstabiliser, nous craser. Pas gen pépinier encore. Ça tout pral ouais que après génération ça fin passé, pas bien nouvelle génération parce que ti moun yo pas gen encadrement, yo pas gen manger, yo pas entraîner. M'a regardé avant m'a regardé en photo Roni Colin, oui Roni Colin de supporter sélection, m'a regardé en photo Roni Colin avec Timoun gen les ça convainc te gen 13 ans avec Timoun U13 U14 yo m'a regardé Timoun yo tout petit dans ce là mais on dit mais comme kounye là qui est-ce qui pral remplacer jeune ça lorsque yo allé au fin grand monde pas gagné et puis on paquet dirigeant m'en fou ben là autant de gen ministère des sports fédération pas connaît qui est vraiment li